Bonjour peuple de mon peuple. Donc aujourd'hui on va faire un petit truc un peu plus différent, hein, plus pas normal qu'elle tous les jours. D'abord premièrement bonjour, tout le monde va bien, ouais test, c'est bon, caméraman, ça va. Aujourd'hui on va interviewer un peu les gens, savoir qu'est-ce qui fait en sorte que Montréal ou Canada ou Québec soit un endroit approprié, très beau, très vivable pour tous les gens. Qu'est-ce qui fait en sorte que les Québécois adorent au Québec. Je vais poser des questions un peu à certaines personnes, puis essayer de trouver un peu des gens pour poser des questions par rapport à Montréal. Parce que Montréal... Oh, venez. Là-bas, on a quelqu'un là. Venez. Eh, monsieur. Attendez. Alors là-bas, nous avons un petit être humain. Il est un peu minuscule comme ça, mais on va quand même lui poser la question parce que c'est quelqu'un qui est à Montréal. Monsieur, comment allez-vous? Est-ce que tu veux savoir? C'est pourquoi tout ça? Je suis en train de faire un reportage pour les animaux en Afrique. Je peux pas apparaître dans les reportages. Est-ce que la police va voir ça? La ponini? La bise, non, ça c'est le nom de ma cousine au bled, c'est pas grave, elle va pas voir. J'ai une question très importante à vous poser aujourd'hui. Premièrement, vous êtes de Montréal? Oui. Ok, qu'est-ce qui fait en sorte que vous aimez vivre à Montréal? Ah, ça c'est facile. Les tantines. Toutes les couleurs. Et toutes les couleurs, ouais. Bleu, blanc, rouge, noir, vert, mauve, ouais, tout. Tout. Ok, à part les tantines. Les tantines, elles sont jolies. Bon, monsieur, je vais vous poser un peu une question. Mais moi, vous travaillez ou vous faites quoi? Vous faites quoi dans la vie en général? Vous êtes dans une belle voiture, okay, quand même. Ok. Rien. Tantine ou rien? La manière la plus simple? La manière la plus simple est de m'expliquer. D'accord. Dans le fond, tu vois les financements sur crédit? The fuck? Monsieur, ça tombe bien que vous êtes là, j'ai besoin de vous. Pourquoi vous me touchez? Ah, mettre des distances, corona. Dans le fond, je fais financer les cartes crédit. Par exemple, tu peux me donner ta carte si tu veux. En ce moment, toi et ton caméraman, ça devrait être bon. Et si t'arrives à la trouver, tu peux me la donner. Dans le fond, qu'est-ce que je fais si... Toi, comme PNL, le monde ou rien, moi, c'est tantine ou rien. Je mets de l'argent dedans et ensuite... Merci beaucoup, ça c'est vraiment ingénieux. Je vais t'appeler, je vais te donner un certain pourcentage plus tard. Attends. Dans le fond, vous pétez des guiches. En d'autres termes, on peut dire ça. Ici, parle pas trop, juste donne-moi ta guiche. Qu'est-ce qui vous fait en sorte que vous aimez vivre à Montréal? Qu'est-ce que vous aimez le plus à Montréal? La poutine, mon frère. Bon, la poutine, hein? Ouais, on paye toujours ça avec les cartes crédit. Ah, c'est bon. Et on a aussi la poutine. Qu'est-ce que vous aimez le plus à Montréal? Ouais. Non, pas ouais, faut me dire exactement qu'est-ce que vous aimez le plus. Ouais. Ça va? Et maintenant, dis-moi un peu, qu'est-ce que vous aimez le moins? Le goût. J'écoute pas les politiques. Non. Mais est-ce que les politiques vous écoutent? Je m'en bats les couilles. Vous en battez les couilles? Ouais. Vous pétez des guiches? Ouais. Pétez des guiches? Ouais. Tous les jours? Ouais. Aldé, qu'est-ce que vous aimez le plus? Ouais. Justin Trudeau. Mais au moins on a Trudeau. Parce que quand c'était la HES, la PCU nous a beaucoup sauvés, ça a sauvé des vies. Ça nous a permis de chiller à Toronto cet été. Ça nous a permis d'aller à Rawdon payer l'essence de Justin Trudeau. Oh monsieur, on dirait que vous allez faire un freestyle de ouf là. Ça nous a permis de chiller à Toronto cet été. Ouais, de Justin Trudeau. Peut-être celui François Justin Legault. Merci beaucoup monsieur, vous êtes chelou quand même, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous aimez les moins? Qu'est-ce que vous aimez les moins à Montréal? François Legault. Parce que François Legault, c'est un gros fils de p***. Sa mère, la p***. Sa sœur, tu l'as vu en live là? C'est bon. Sa sœur, le Covid, ça existe. C'est bon.